Bonjour, c'est le podcast, le premier podcast en français de Ovekin. Et on est ensemble avec Julia, moi, Gabi et Katie. Gabi et Katie ne parlent pas français, mais ils vont dire des choses en anglais. We like listening to French, but we're a bit annoyed because we don't understand anything. So. Oui, ils sont un peu. Ils n'aiment pas quand on parle en français, moi et Julia, parce qu'ils ne comprennent pas. Et on les ignore un peu. Connaissent un peu. Un peu. On dit connaissent. Ouais. Non, pas connaissent. On les ignore un peu. Non, je veux dire. Non, rien. Ok. D'accord. On avait un plan de parler. De parler de plein de trucs comme. Oui. De Billie Eilish, de la Squeezie. Nature, la Squeezie, oui. Des choses comme ça. Ouais, la Suisse, je sais pas. On commence par quoi Ok. Comment tu as appris le français? J'étais 3 ans à Genève et j'ai vécu 3 ans à Genève et j'ai appris le français là-bas. Et oui, j'ai aussi un an à Paris. Ça fait combien de temps que tu n'as pas. Tu n'es plus à Genève? Oh, ça fait 3 ans. Ça fait. La pauvre. La Genève, c'est très bien. J'ai vécu un quart de ma vie. Un troisième de ma vie. Ailleurs. Waouh. Cool. Peut-être. Je sais pas. Bon, moi, je l'ai appris à l'école. Ouais. 7 ans à l'école. C'était trop dur. Non, c'était pas du tout dur. C'était juste trop horrible. Ouais. Parfois les profs de français ils sont vraiment sadiques. J'avais une prof qui détestait tout le monde et chaque fois qu'elle voulait dire quelque chose d'important, elle allait sur une chaise. Une fois la chaise cassée, elle a eu le pied plâtré et elle était avec des béquilles et nous a laissé plus. C'est pour ça, c'est pas une très bonne expérience, mais j'ai bien aimé. Qu'est-ce que tu aimes en Suisse? C'était vraiment propre, parce que... Ouais, oui, pas comme la Bulgarie. Désolée la Bulgarie, mais la Suisse, c'est vraiment propre. C'est vraiment bien. Les personnes étaient vraiment cool. Et il y avait des magasins avec des choses que j'aime. Par exemple, les bonbons français, ouais. Qui sont plus ici, c'est pour ça. Ouais. Et moi j'aime bien je sais pas pourquoi mais le musée olympique c'est oui, la meilleure chose allée. Et ce qui est là-bas c'est la... moi j'adore dans le musée olympique j'adore tous les facs là, qui étaient oui. De ça et tout la timeline avec les prochains Jeux olympiques oui. Ça c'est mes préférés parce que j'aimais la piste tu sais il y avait une piste une piste juste devant le musée dans le jardin et tu courais et il y avait comme si tu faisais une course avec Usain Bolt et oui mais ouais. Ouais ok pour parler de Billie Eilish c'est quoi ta c'est quoi ta chanson préférée plein Body of Flint, You See Me in a Crown, Bellyache et plein. Et Ocean Eyes. Les chansons que j'adore, c'est aussi Bury a Friend. C'est que j'ai parlé en français maintenant. You See Me in a Crown et I Don't Wanna Be You Anymore. Mm-hmm. C'est mes préférés, je sais pas pourquoi. Et tu sais pourquoi ça s'appelle You Should See Me in a Crown? En fait, avec son frère, il regardait une série ou un film, je sais pas. Et le vilain a dit tu dois me voir en couronne. You Should See Me in a Crown. Et ils ont adoré et ils se sont dit qu'il fallait faire une chanson avec ça. Et puis ils ont écrit et c'est une des meilleures. Ouais. Oui, je crois que c'est la première chanson. Non, la première c'est Ocean Eyes. Après c'est 6 Feet Under. Après c'est Bellyache. Et après c'est You Should See Me in a Crown. Je pense, je suis pas sûre. Non, mais son style, c'est vraiment sa voix qui est. Oui. Vraiment... Elle a presque pas de. Je pense qu'elle a pas de. Machine dans sa voix. Ouais. Oui, elle a pas de. Oui, je comprends ce que je veux dire. Mais, tu dis tout le temps, je comprends. Oui, je comprends, parce que je comprends, faut pas une tarder de pas comprendre. Ah bon? Oui, j'espère. Oui, je suis pas une tardée. D'accord. Je suis une retardée. Alors on fait quoi?
Qu'est-ce que... Non, ça c'était moi. C'est... Ouais. Quoi d'être t'aimes en Suisse? Tu es allée où skier en Suisse? J'allais vraiment... quand j'étais en Suisse, tous les février, il y avait une vacance libre. Ouais. Et dans cette vacance, j'allais skier dans un... pas une prairie, mais une montagne en France. Mais je sais pas. En France, Chamonix? Non, je crois pas. Mais c'était vraiment cool. Est-ce que tu es allée à Valais ou Villars? Moi, j'aime bien Villars et Valais. Ouais. Non, moi, ma ville préférée de la Suisse, c'est Montreux. Parce que le château. Oui, j'adore le château. Et le musée de la l'alimentarium. Et là-bas, je pense. Non, j'aime pas. J'ai beaucoup aimé la maison de Charlie Chaplin. Oui, c'est trop bien. Ouais, j'adore. Et. Bah oui. Mais alors pour Squeezie, quel vidéo t'as regardé? Squeezie, c'est un youtubeur. Ouais, pour les écouteurs. Ouais. Oui, et puis, on aime bien. Moi, j'ai pas regardé beaucoup, mais Annie, elle est folle sur lui. Oui. Et puis, moi, j'ai regardé sur les Illuminati, celui sur les reptiliens au moins 5 fois. Et 52, je pense, ou 51. Ah, la zone. Quoi? La zone 51. Ah, oui, la zone, pas l'arrière. Oui. Mais c'était nul parce qu'il avait quelqu'un qui avait filmé comme s'il marchait dedans alors que c'était une cuisine. Et puis il y avait un alien. Ouais, comme... Et on voyait que c'était un costume. Vraiment, c'est vrai. Comme là, je suis ici. Et. Oh non! Un interrupteur! Oh non! Une boule de disco! Un livre! C'est des monstres! Les extraterrestres sont venus. Oui, ils sont venus. Sinon, il y avait. Étage. Sinon, il n'y avait pas un. Coquillage et quelque chose. Ah, bien comme un coquillage. Oui, c'est ça. Oui, c'est. C'est avec son ami. Cyprien. Oui. Ils ont fait une. Pas une guerre, mais. Comme. Je sais pas. Mais. En fait, il y avait une blague qui se battait qui avait plus d'abonnés. Oui, et à la fin, ils ont fait. Un clip. Une chaîne ensemble. Oui. Non, moi, ils avaient la chaîne avant. Ah. C'était la chaîne Cyprien Gaming. Mais en fait, ils voulaient faire une blague avant pour Begono Coquillage qui va avoir plus d'abonnés. Oui. Mais après, ils ont fait le clip qu'il n'y avait rien. Et la chaîne, c'est Begono Coquillage. Mais avant, c'était Cyprien Gaming. Uh-huh. Et j'ai regardé les vidéos. Moi, j'ai regardé une sur. Ils faisaient des trucs en magie. Ouais. Oui, j'ai regardé ça. Puis je me souviens pas des autres. Mais là, je suis comme. Et c'est qui a le plus d'abonnés sinon? Maintenant c'est Cyprien. Avant c'était aussi Cyprien. Maintenant Squeezie, il y a 1068 de moins. Mais je regardais ce matin parce que je suis folle et je regarde tous les jours. C'est comme T-Series versus PewDiePie. C'est un peu le même truc. Mais... Arrête de tourner sur ta chaise. Parce que ça fait du bruit. Je sais pas. Non. D'accord, j'adore cette chaise. Tu me laisses tranquille. Мой банан ви е обиден. Много си разбрал, Google Translate. Кой бомбон французът тем ли плюс? Je sais pas, je vais pas trop manger. T'aimes pas vraiment manger? Pas trop, non. Moi j'adore les camemberts. Il était brûlé aussi. Je connais pas. J'aime les camemberts, oui, j'adore. Et les malambars, la malabar, oui. C'est trop cool. Chewing gum, oui. Désolée, que j'ai t'ai mis le texte sans dire. Non, pas de problème. Moi, je déteste les blagues au camembert. Oui, c'est, j'avais dit cette blague dans le podcast de manger, mais c'était... Qu'est-ce qu'a fait Louis XIV le premier jour de son trône?
Quoi? Et c'est assis. Waouh! C'est des blagues vraiment merdiques. Oui, c'est le mot parfait. Oui, c'est pour ça. Est-ce que t'as regardé Le Rire Jaune? Le quoi? Le Rire Jaune. J'ai entendu parler, je sais pas ce que c'est. C'est trop cool. C'est deux frères qui font une encore des youtubeurs. Oui, mais c'est le seul truc. J'ai entendu parler, mais je sais pas. Ils font quoi? Ils font des vidéos d'humour, c'est le truc. Oui. Parfois c'est différent. Et sinon tu connais les C'est pas sorcier, les esprits sorciers et tout ça? Ah oui. Tu connais? Oui. Quand j'étais petite j'adorais C'est pas sorcier. Après j'ai découvert Esprit sorcier qui est un peu plus... pour les plus grands. Et c'est... Oui. Ouais, j'aime bien. On a regardé C'est pas sorcier en cours de français. Oui, moi aussi. En cours de français? Oui. Sur quoi? Non, pas en français, mais en français en Bulgarie. Ah. Pour savoir, hein? Pour la nourriture, il y avait quelque chose comme ça. Attends, j'ai pas compris. En Bulgarie, tu as, oui, regardé C'est pas sorcier? Oui, j'avais... Oui, j'ai... Ah, tu vas... J'allais le premier année et j'ai pas fait mes devoirs. Ah, je détestais faire mes devoirs. Qui aime faire ses devoirs? C'est la question. Mais je faisais pas mes devoirs et j'étais tout le temps grondée. Et j'étais comme... Je m'en fous de ce truc. Ouais. 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 Et tu sais... Pour Billie Eilish encore, ouais. Ouais. Je suis folle d'elle. Ouais. En fait, quand elle a fait sa première chanson... Elle était avec son frère, et qui est compositeur des chansons. Il écrit les textes le mieux. Mm-hmm. Et puis, lui, il avait écrit quelque chose, un texte, juste comme ça, parce qu'il aimait bien faire. Et puis, il a chanté, mais il n'a pas aimé comment sa voix le faisait. Il a demandé à Billy de le chanter. Oui, il a demandé à Billy de le chanter. Et quand il l'a chanté... ils ont adoré comment c'était. Et puis ils ont commencé à faire des chansons ensemble. Non, en fait, c'est d'abord le prof de danse de Billy a demandé qu'il enregistre la chanson et qu'il lui envoie. Et ils ont enregistré, ils lui ont envoyé. Puis lui, il a adoré, il a dit qu'il faut qu'il la continue. Mette sur le net. Oui. Et ils l'ont upload sur le. Oui, ils ont mis quelque chose. Ouais, je sais pas trop. Ils ont mis en ligne. Oui, et puis après une année plus tard, c'était une des plus connues chanteuses, oui. Oui, c'est. C'est Ocean Eyes, leur première chanson, oui, comme ça. Sinon, Billy est très bonne en danse. Ah, t'as vu le truc avec elle était sur scène? Et elle a trébuché, elle a tombé. Ah non, je n'ai pas vu. Vraiment. Mais j'ai vu, elle était sur scène, il n'y avait pas trop de public, c'était une petite scène. Et il y avait un gars qui a dit, elle a demandé une question au public après sa chanson. Et il y avait un gars qui a dit, ah, j'ai soif. Et elle est allée derrière les coulisses, elle a pris une bouteille d'eau et lui a donné. Oh. T'as vu? Elle est vraiment cool. Oui. J'adore son style de musique. Et musique, oui. Normalement, j'aime pas trop ce style, vraiment. Mais elle le fait très bien. Elle sait comment le balancer avec des autres styles. Oui. Et puis, elle, par exemple, dans une chanson super mélodique et douce, elle met des bruits de robotique. Mm-hmm. Oui. Genre, et ça devient super. Ça fait. Ça devient bien. Et puis, sa voix. Ça devait être glauque. Dans son vidéo sur Bury Your Friend, il y a un moment où elle tourne en rond. Oui, et ça c'est... En fait, ils ont mis dans une machine et ils ont fait tourner la machine. Il y avait une caméra devant son visage et ils ont tourné la machine. Et c'est comme ça qu'ils ont fait. Et puis sur le clip de When the Party's Over, je pense, oui, il y a du bleu qui tombe de ses yeux. En fait, ils ont mis du bleu, du noir. Du noir. Ils ont mis comme ça, en fait, une machine. Des petites. Ouais, tu sais. Ouais, comme ça. De quoi tu veux dire. Elle pleure. C'est comme elle pleure. Et dans Justine and the Crown, c'est des araignées qui sont partout. Oui. Et elle avait une tarantule qui était. Et je sais, elle avait une tarantule qui faisait. Oui.
Oh, ça fait peur. Peut-être que c'est. Et moi j'ai la phobie des araignées, c'est pour ça. Ah. Je suis comme. Moi, même, j'ai pas trop. Moi j'étais devant cette vidéo, j'étais comme. Oui. Je vais jamais faire ça de ma vie, mais pourquoi? Oui, vraiment, pourquoi elle l'a fait? Parce que c'est cool, elle a un style. Oui. Tu as vu, elle a une interview sur elle en 2015 et 2016. Non, 2017 et 2018, moi j'ai vu. Oui. Oui, et il y a un moment, ils disent quel était ton plus grand concert. Elle a dit 500 personnes, ouais, c'est beaucoup. Et après, en 2017, elle a dit, je sais pas, un énorme nombre, comme 1000, je sais pas, 10 000, quelque chose comme ça. Ouais. Et puis après, ils ont demandé, elle a des chains, oui, comme ça, oui, oui. Et on lui demande en 2016, est-ce que ta chain est vraie? Elle a dit non, je peux pas l'acheter, c'est trop cher. Et après, en 2017, elle a plusieurs comme ça. Elle demande est-ce qu'ils sont vrais. Elle dit oui, tous. Oui, elle a beaucoup d'argent maintenant. Oui, je pense que c'est son interview. En 2016, on lui a dit dis quelque chose à toi du futur. Oui, t'as compris. Oui. Et il a dit ne sois pas trop triste, ça perd du temps. Oui. Et après en 2017, en 2018, elle a dit ah oui, c'est vraiment vrai, parce qu'elle était à un moment, elle était. Oui. Mais je comprends. Oui. Je suis vraiment crevée, moi. C'est quelle heure? 36. Ah, 5 minutes. Oui. Oh, tu sais, dans mon appartement, oui, on a un petit chien. Oh, j'adore les chiens. Oui. Cette nuit, ma sœur est rentrée. Il y a un chien de la rue qui est rentré dans la maison. Et maintenant, il est dans la cour de la maison. Et on va le mettre dans, tu sais, où il y a les chiens. Oui. Mais c'était trop flippant. Oui. Mais on voulait l'adopter parce qu'il était trop gentil. Mais ouais. Notre petite, je peux dire ça, notre petite merde petite, elle est trop jalouse. Elle l'attaque. C'est pour ça qu'on a donné à ma grand-mère pour un peu. Et quand on se débarrasse, mais quand il va partir, on prend Quitty et oui. Une seconde. Mais tu manges encore, là, c'est comme. On a fait oui, une seconde. Ok. Oui. Hein? On fera encore un podcast, sinon. Je pense qu'on va faire. Oui. On espère que vous avez compris. Oui. Que vous parlez français. Oui. Au revoir. Au revoir. C'était le premier podcast en français de Ouvekit. Ouais.